c'est The Extra Production, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui dans ce tutoriel IRL, je vais vous montrer comment étendre votre écran d'ordinateur avec à l'aide d'une télé et d'un câble HDMI, et tout simplement on pourra faire ceci. Voilà, donc on va faire ça en deux étapes, première étape à l'aide de ma caméra et deuxième étape à l'aide de Fasten Capture pour le PC. Allez, donc voilà, donc alors... La première étape, tout simplement, vous devrez avoir une télé, un ordinateur et un câble HDMI que vous branchez de votre ordinateur à votre télé. Une fois ça fait, et bah c'est bon. Donc là, on va passer à la deuxième étape. La première étape est déjà finie, donc je pense pas qu'elle était compliquée. On va passer à la deuxième étape. Allez, à toutes. Écran d'ordinateur, donc c'est vraiment très très simple. Donc la dernière partie, c'est très simple. Donc, vous avez branché votre télé à votre ordinateur, vous faites clic droit, résolution d'écran. Et là, vous avez écran 1, écran 2. Donc, alors, moi, mon écran 1, c'est mon ordinateur, comme vous pouvez voir. Et mon écran 2, c'est ma télé. Donc, tout simplement, si votre écran 1, c'est votre ordinateur, et que là, c'est à gauche, et bien, vous avez votre PC à gauche et votre télé à droite. Voilà, vous devez mettre dans l'ordre que c'est là. Donc, là, s'il y a comme moi, là, il y a mon PC à gauche, donc je mets à gauche, et là, il y a ma télé à droite, donc je mets à droite. Voilà. Ensuite, ça, les résolutions. Normalement, c'est automatiquement, ça va pas, vous les refaites. Vous refaites les programmes, vous ajustez votre écran télé, tout ça. Orientation, paysage, vous laissez. Affichage multi, vous faites étendre ces affiches. Voilà. Vous faites appliquer, OK. Et là, normalement, vous allez avoir un écran étendu. Regardez, là j'ai mis sur mon autre ordinateur que vous voyez pas. Voilà, et là je le fais venir sur mon autre. Voilà. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est un petit tuto simple qui est fait vite fait. Je suis désolée parce que j'ai pas trop de temps. Je suis partie en vacances. Donc je vais vous proposer ça une fois en vacances. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne avec toutes mes dernières vidéos. Je ferai un spécial 500 abonnés bientôt, quand j'aurai 500 abonnés. Voilà, n'hésitez pas à voir mes toutes dernières vidéos, donc c'est ces trois là. Et puis, prochaine vidéo, ça va être une vidéo informative de changement de chaîne. Alors pourquoi est-ce que je vais une chaîne? Et bien tout simplement, vous verrez ça dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel, n'hésitez pas à liker. C'est ce qui me récompense pour dire que vous avez aimé, à vous abonner si vous n'êtes pas, et à partager. Salut!